Dans l'actualité ce soir, les centres de vaccination contre la grippe A vont être ouverts le dimanche. Les horaires seront élargis. Il s'agit de répondre au mécontentement des familles. Nouvelle phase aujourd'hui, après les lycéens et les collégiens, la vaccination des écoliers a commencé. Les suites du non des Suisses au minaret, le vote suscite la réprobation internationale, mais la question pourrait rebondir en France. L'UMP s'interroge sur la justification de ces édifices. Un patron d'entreprise publique peut-il être rémunéré comme un patron du privé? Le salaire d'Henri Proglio, nouveau numéro 1 d'EDF, fait des vagues, 1 600 000 euros par an. La gauche dénonce une aristocratie financière. Il est sans doute le dernier criminel nazi présumé à répondre devant la justice. Le procès de John Demjanjuk, 89 ans, a commencé en Allemagne. Il est accusé d'avoir été l'un des gardes du camp d'extermination de Sobibor. Alerte sur la forêt boréale canadienne. Des millions de pins sont décimés par un insecte dont la prolifération serait liée au changement climatique. À une semaine du sommet de Copenhague, nous irons sur place. Enfin, Benoît XVI au micro. Comme son prédécesseur, le pape sort un disque extrait à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Dès la semaine prochaine, les centres de vaccination vont donc être ouverts 7 jours sur 7, y compris le dimanche. C'est la dernière mesure annoncée pour accélérer le mouvement face à l'impatience des familles. Par ailleurs, l'armée sera davantage sollicitée. Jean-François Firet, Thierry Breton. Première consigne, les personnes qui n'ont pas de bon, c'est pas la peine qu'elles attendent, on ne pourra pas les vacciner. Trop de monde. Toute la journée et encore ce soir, devant ce centre de vaccination, ici à Lyon. 300 mètres de file, 3 heures d'attente minimum et beaucoup de ras-le-bol. Là, on est sous la pluie, ça fait un moment qu'on attend, il y a des femmes enceintes, donc c'est un peu déplorable quand même au niveau de l'organisation. C'est un côté un peu triste et un peu glauque pour les enfants et j'aurais préféré pas me traîner ici à plus de 6 mois de grossesse et traîner ma fille dans le froid, voilà. Depuis ce matin, comme ici à Rennes, les petits de maternelle et de primaire peuvent à leur tour recevoir le vaccin. Soit 6,5 millions de patients potentiels supplémentaires, accompagnés le plus souvent de leurs parents. Même scène dans ce centre parisien. Plus de 2 heures d'attente, alors il faut bien occuper les enfants. Un peu de coloriage, des cahiers de jeu, et puis un goûter, et puis voilà, ça occupe au moins une petite heure, quoi. Les autres familles s'attendaient elles aussi à une telle affluence. Et là, je me suis absentée du bureau pour pouvoir le faire, donc là, j'ai pas vraiment le choix, donc on attend, voilà. Ailleurs, dans les Hauts-de-Seine, cette unité de protection de la petite enfance a spécialement ouvert. Problème, seuls les enfants y sont pris en charge. Ce que je trouve dommage, en revanche, c'est que les personnes accompagnatrices puissent pas, elles aussi, se faire vacciner, parce que moi, je vais aller faire mes 2 heures de queue pour moi, tout seul, à côté. Pour répondre à la demande, du personnel est appelé en renfort. Des internes en médecine, mais aussi des médecins du travail et du service santé des armées. Les horaires des centres vont être élargis. Nicolas Sarkozy l'a annoncé, il souhaite également l'ouverture le dimanche. Ce soir, on compte en France 86 victimes de la grippe A. Un enfant est décédé en Bretagne, ainsi qu'une fillette de 8 ans à Chartres. Tous deux, semble-t-il, souffraient de complications autres que la grippe. Et notez ce chiffre communiqué aujourd'hui par la Direction Générale de la Santé. À ce jour, 1 million de personnes ont été vaccinées en France. Les suites du vote surprise de la Suisse, vote, vous le savez, contre la construction de minarets dans les mosquées. L'onde de choc se propage en France, on va l'évoquer dans un instant. D'abord, reportage sur ce lendemain de scrutin qui, semble-t-il, a pris tout le monde de court. À Genève et dans les villages alentours, Denis Sébastien, Thierry Simonet. Surprise, choqué, abasourdi. Ce matin, c'est un peu comme si la Suisse ne se reconnaissait plus. Contredisant tous les sondages, la population a dit massivement oui à l'interdiction de construire des minarets dans le pays. C'est dans leur pays que ça doit se passer, c'est pas chez nous. C'est vrai, on est Suisse, vous vous rendez compte si ça commence comme ça, après ils vont nous faire quoi en Suisse? C'est dans l'intérieur du pays que le vote a été le plus franc en faveur du référendum. À l'image de ce village dans le canton de Vaud, 3 clochers en comptant celui de la mairie, mais évidemment aucun minaret, et pourtant, le oui à l'interdiction l'a largement emporté. Les minarets, pour vous, ils n'ont pas leur place en Suisse? Pas tellement. Pourquoi? Parce que c'est pas comme leur pays. C'est pas tellement le problème religieux du minaret, c'est le symbole. J'ai peur personnellement d'y retomber, je dirais peut-être pas économique, quelque chose comme ça, mais l'image de la Suisse qu'on donne à l'extérieur, je trouve qu'elle est de moins en moins bonne. 7,5 millions d'habitants, parmi lesquels 400 000 musulmans. Surtout originaires de Turquie et des Balkans, ils vivaient en Suisse jusqu'à présent sans tension particulière. Souvent controversé, Tariq Ramadan est le musulman suisse le plus connu en France. Il ne s'attendait pas à un tel résultat. Au bout du compte, les minarets ne sont qu'un symbole et qu'un
que finalement un prétexte pour un parti, mais également révélateur de peur dans la société suisse, de crainte et de méfiance à l'endroit des musulmans. Et donc il faut qu'on prenne acte de quelque chose de très très profond qui se passe dans la société suisse, mais à l'image d'autres sociétés européennes d'ailleurs. La campagne agressive a en tout cas trouvé un écho inattendu dans la population. La Suisse va devoir désormais gérer, notamment à l'étranger, une image d'elle-même qu'elle ne pensait pas donner. Et ce référendum, je vous le disais, ne laisse pas indifférent en France. La condamnation est largement partagée, mais l'UMP s'interroge à son tour sur la justification des minarets. Combien sont-ils en France? Quel est leur statut? Questions et réponses avec Hakim Abdelkalek et Mathieu Régnier. C'est le symbole le plus voyant de la mosquée de Créteil, en région parisienne. Le minaret, qui culmine à 25 mètres de haut. Mais quelle est l'utilité de ces édifices? En France, ils ne servent jamais pour l'appel à la prière. Pour la communauté musulmane, c'est un simple élément de décor architectural, non obligatoire pour la pratique de l'islam. Sur le plan religieux, sa fonction est facultative, parce que maintenant l'appel à la prière ne se fait pas par le minaret, mais c'est pour faire joli et pour distinguer ce bâtiment, pour dire que c'est une mosquée. Dans la ville, le minaret n'a jamais vraiment fait polémique. Les églises, elles ont bien des clochers, donc je ne vois pas pourquoi les mosquées n'auraient pas des minarets. D'autant plus que là, il est très esthétique. Ce qu'on pourrait peut-être craindre lorsqu'il y a un minaret, c'est qu'il y a un muezzin qui, toutes les 5 fois par jour, appelle à la prière, donc ça romprait un peu le calme et la quiétude du coin. Combien y en a-t-il en France? Il en existe actuellement une douzaine réparties dans tout le pays pour près de 1800 mosquées et lieux de culte musulmans. Le plus grand est celui de Paris, construit en 1922, 27 mètres de haut. D'autres sont actuellement en projet dans une petite dizaine de villes. En France, y a-t-il débat sur les minarets? À Strasbourg, la grande mosquée est en plein chantier. La coupole a été posée vendredi. En 2000, la majorité PS accepte la construction d'un minaret de 28 mètres de haut. Il figure même sur la maquette de l'époque. Mais en 2001, changement de majorité, la droite est d'accord pour la mosquée, mais sans minaret. Je ne souhaitais pas que ce soit la plus grande mosquée d'Europe, qu'il y ait un minaret qui soit peut-être un signe qui permette aux extrémistes, aux extrêmes et aux fascistes de trouver de nouveaux arguments pour créer des clivages racistes. Je ne le souhaitais pas. À chaque fois que la question se pose, les municipalités négocient la taille maximale du minaret avec les représentants religieux. Pour le PS, pas question que le débat en Suisse ne trouve aujourd'hui un écho en France. Ce qu'on essaye de faire croire, c'est qu'avec minaret, il y a muezzin, donc appel à la prière, et puis derrière charia, etc., etc. Ça a été toute la thématique de la campagne des populistes et l'extrême droite suisse. Aujourd'hui, il y a des discussions qui existent et ça se fait de manière tout à fait acceptable. Du côté de l'UMP, l'important est surtout l'existence de mosquées pour pratiquer l'islam. Est-ce qu'on a forcément besoin de minarets pour le faire? Ça, je n'en suis pas persuadé. À Saint-Quentin, il y a une mosquée dans ma ville, mais il n'y a pas forcément de minarets. Le Front National, lui, ne veut voir aucun minaret sur le sol français. Il y a eu le voile il y a 15 ans maintenant. Maintenant, il y a la burqa, les minarets, les mosquées cathédrales. On réclame des modifications du contenu pédagogique dans les écoles. Et c'est à cela, je crois, qu'il faut dire stop. L'une des prochaines mosquées dotées d'un minaret sera celle de Marseille. Voici sa maquette en 3 dimensions. Là aussi, l'existence puis la taille du minaret ont été âprement négociées. Et aujourd'hui, l'Union européenne mais aussi l'ONU ont fait part de leur réprobation après ce vote suisse. Autre réaction, celle du Vatican. Il se dit sur la même ligne que les évêques suisses qui avaient estimé que ce vote était un coup dur porté à la religion. Un chrétien doit savoir dépasser le sentiment de peur et d'aversion. Fin de citation. L'économie avec cette annonce qui fait des vagues. Je vous le disais, le nouveau patron d'EDF, Henri Proglio, gardera le même salaire que chez Veolia, qu'il dirigeait auparavant, soit entre 1 600 000 et 2 millions d'euros. La gauche dénonce une aristocratie financière. Alors un patron d'entreprise publique peut-il être rémunéré comme un patron du privé? C'est tout le débat. Explications et réactions, Valérie Lerouge, Vincent Bouffartigue. Il fallait bien un ciré à Henri Proglio pour le protéger du vent de contestation qui souffle au sujet de son salaire. Son prédécesseur gagnait 1 100 000 euros par an. Le nouveau patron d'EDF demande 2 millions d'euros, 45% de plus pour garder le train de vie qu'il avait chez Veolia. Rien de plus légitime, selon le Premier ministre. Ce n'est pas Henri Proglio qui était candidat à la présidence d'EDF. C'est le gouvernement qui l'a choisi pour accomplir cette mission.
Dans ces conditions, il est parfaitement normal que la rémunération d'Henri Proglio soit proche de celle qu'il avait dans ses fonctions précédentes. Un avis que ne partagent pas les syndicats d'EDF, ni l'opposition, pour qui l'appétit du nouveau PDG est indécent. Cette jurisprudence Proglio est condamnable car elle risquerait finalement de envenimer les rapports déjà complexes au sein des grandes entreprises publiques. Mais le salaire actuel du patron d'EDF se situe en bas de classement des entreprises publiques, coté en bourse. En tête, le PDG de GDF Suez, avec plus de 3 millions d'euros par an, viennent ceux de ADS, d'Air France KLM, France Télécom, Safran, Thalès. Les prétentions d'Henri Proglio le ramèneraient en troisième position, avec 2 millions d'euros, ce qui reste deux fois moins que le salaire record en France détenu par Franck Riboud, le PDG de Danone. Et toujours à propos d'économie, les secousses de ces derniers mois ont-elles accéléré la rupture entre salariés et employeurs? C'est ce que semble attester un sondage TNS Sofresse pour le journal Les Échos, publié ce matin. Regardez les résultats à l'une des principales questions posées. Elle concerne le sentiment à l'égard de l'entreprise ou de l'administration, car le secteur public est également concerné. Globalement positif sur ce sentiment, 28%. Globalement négatif, 36%, partagé, 36% également. Il faut savoir, par ailleurs, que les moyens de contrôle des salariés se sont multipliés ces dernières années grâce notamment aux nouvelles technologies, géolocalisation, biométrie, pointeuse mobile. Et c'est aussi une source de conflits. Salariés sous surveillance, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Valérie Gaget, Didier Dahan. Marlène Guiteau est employée par une société de nettoyage pour faire le ménage au sein des entreprises. Quand elle arrive sur ses différents lieux de travail, elle prépare son matériel puis s'empare du téléphone. Bienvenue sur la pointeuse Euroclean Service. Votre début de prestation a été enregistré à 16h36. N'oubliez pas de rappeler avant de quitter votre client. Comment ça, le patron sait que je suis là? Je n'ai pas voulu 16 heures. À quelques kilomètres de là, au siège de son entreprise, le patron sait effectivement qu'elle est bien arrivée. Sur l'écran de sa pointeuse mobile, il peut même vérifier en temps réel où sont ses 200 salariés. En vert, donc, ce sont des alertes positives, donc le salarié est bien sur site. En orange, donc, il y a un retard de quelques minutes. Et lorsqu'on est sur une veille en rouge, là, il y a un gros problème parce qu'il y a un temps important de la prestation qui n'a pas été réalisée. Ce n'est pas un système de flicage, c'est un système qui permet de visualiser donc si le salarié est présent sur le site, mais uniquement pour prévoir un remplacement et se soucier du devenir de ce salarié. Autre moyen de suivre ses employés à la trace, la géolocalisation. Cette société de rénovation d'Argenteuil possède 11 véhicules de service. Tous sont équipés de ce boîtier placé sous le tableau de bord. Les ouvriers l'appellent le mouchard. Ça, c'est le démarrage de chez lui, d'accord, de son domicile. Il est venu chercher son matériel ici dans les locaux et il est parti après sur son lieu de travail qui est à Élancourt. Il a mis 1h51. On sait que bon, ben là, il devait être sur une voie rapide. Elle n'utilise jamais ce système pour piéger les ouvriers, mais avoue s'en servir parfois pour leur demander des comptes. Je peux voir quelque chose, moi, qui m'intrigue. En disant ben, pourquoi il est allé là alors que pour moi je ne voyais pas la nécessité, ben, tout simplement le soir je leur fais voir et je leur pose la question en leur demandant ben, qu'est-ce qui s'est passé et ils me répondent et puis voilà, ça s'arrête là. Ici, comme la loi le prévoit, les salariés savent qu'ils sont sous contrôle, mais ils ne mesurent pas toujours à quel point. Pour moi le système il marche quand vous allumez le contact, ça fait un point sur l'ordinateur et quand vous êtes allé le contact, vous enlevez la clé, ça refait un point, c'est tout. Pendant le temps de route, ils ne voient pas. Il se trompe. Le mouchard enregistre tout, même quand les véhicules sont à l'arrêt moteur non coupé. Pourtant, selon la loi, ces dispositifs ne doivent pas aboutir à une surveillance continue et en tout lieu des salariés. Le salarié a le droit à un espace de vie privée dans le cadre de son travail. C'est reconnu par la jurisprudence, par la Cour de cassation. Et il ne faut pas que les différentes mesures de contrôle arrive à lui nier tout espace et tout espace de vie privée. La loi précise aussi qu'aucun salarié ne doit être surveillé à son insu. Pourtant, de plus en plus de sociétés font appel à des clients mystères, de vrais faux clients, pour tester leurs employés. Le problème, c'est qu'ils sont mal rangés, ils ne sont pas pliés. On n'est pas une police, en fait, on n'est pas un inspecteur, on est seulement là pour
pour améliorer les choses, même peut-être pour le personnel ainsi que pour le magasin. Ce n'est pas un outil de sanction, ce n'est pas un piège. Donc pour que ce soit bien assimilé par tout le monde, nous souhaitons que nos clients fassent une petite note d'information. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. On ne peut pas le vérifier. Plus insidieux, presque invisibles, les nouveaux moyens de surveillance ont de quoi inquiéter. Les technologies s'ajoutent les unes aux autres et avec elles, l'étendue du contrôle. Et les gens sont parfois consentants. Pour entrer librement dans cette boîte de nuit de Barcelone, les clients n'hésitent pas à se faire injecter une puce sous la peau. Elle leur sert d'identifiant et de carte bancaire. En bref, pour refermer ce chapitre économique, les débuts contrariés du géant des airs chez Air France. 5 jours après son inauguration en grande pompe, le premier A380 volant sous les couleurs de la compagnie entre New York et Paris a dû faire demi-tour 1h30 après son décollage avec 530 passagers à bord. Explication, une panne informatique concernant le pilote automatique. Une panne jugée mineure, l'avion est reparti 2 heures après. C'était vendredi, mais on ne l'a appris qu'aujourd'hui. À l'étranger, il a aujourd'hui 89 ans. C'est un homme malade et diminué, mais son arrivée était très attendue. John Demjanjuk, l'un des derniers criminels nazis présumés, a comparu pour la première fois à Munich. Reportage Arnaud Boutet, Michael Avert. Dans les couloirs du tribunal, John Ivan Demjanjuk ne cesse de gémir. Mais pour son arrivée dans la salle, plus un mot, si ce n'est un petit cri, les yeux fermés. Autour de lui, ils sont là, les rescapés de Sobibor, avec parfois leur numéro de prisonnier tatoué sur le bras. Demjanjuk est soupçonné d'avoir été gardien de camp SS. Cette carte délivrée par les nazis mentionne son nom. 6 mois à Sobibor, en Pologne, 6 mois durant lesquels 28 000 personnes ont trouvé la mort. Pour les survivants, il doit payer. Est-il coupable? Oui, mais je ne cherche pas de revanche. Les médecins le jugent apte pour le procès, mais cet après-midi, c'est en civière qu'il regagne le tribunal. Mon client n'a pas bien supporté la pause de la mi-journée. Il souffre de douleurs très fortes. Il va tout faire pour donner l'impression qu'il ne peut pas tenir tout au long de ce procès. John Demjanjuk a déjà sauvé sa tête une fois, en 1988, en Israël, condamné pour un autre camp, Treblinka, puis acquitté, faute de preuves, après 7 ans de prison. Il a longtemps caché son passé, mais n'a pu éviter ce procès. Les audiences seront limitées à 2 fois 90 minutes par jour. Elles doivent durer jusqu'au mois de mai. En France, 8 millions de repas servis au moment de leur création il y a 25 ans, plus de 100 millions aujourd'hui. Les Restos du Cœur ont lancé leur campagne d'hiver ce matin. On évoque souvent la situation dans les grandes villes, mais l'association ouvre aussi des relais en zone rurale. À Jancey, dans la Vienne, François Privat, Fabien Tormos. Comme chaque lundi, l'annexe de la mairie de Jancey, 1600 habitants, se transforme pour quelques heures en centre de distribution des Restos du Cœur. Et cette année, parmi les bénéficiaires, beaucoup de jeunes femmes. Sans les Restos du Cœur, vous en sortiriez? Pas forcément. Et là, je viens de me retrouver toute seule avec les 2 enfants, parce que j'avais des soucis avec la personne avec qui je vivais, donc là, maintenant, ça fait un plus en plus. À l'étage, le bureau des inscriptions. Quelle est votre situation de famille? On vit en couple, oui. Avec 2 bébés. Dans ce canton, les restos approvisionnent 80 familles, plus de 300 personnes, un chiffre en augmentation de 10% chaque année. Puis on a aussi pas mal de retraités aussi. Les retraités à la campagne, qui, bon, les revenus ne sont pas suffisants. Et puis, l'été, bon, il y a le jardin, mais l'hiver, il n'y a plus grand-chose. Des retraités qu'il faut solliciter, parfois jusque chez eux, et qui se font plutôt discrets les jours de distribution. Moi, je touche rien du tout et mon mari est à la retraite. Donc il a une petite retraite, donc on est obligé de se servir au Resto du Cœur. Voilà. Mais pas d'autre choix? Non, pas d'autre choix. Autre constat aujourd'hui, certaines denrées ne sont disponibles qu'en quantité très limitée. Eh ben, c'est carottes ou poireaux et 2 pommes de terre par personne. Voilà. Donc on a un gros problème au niveau des légumes. Les fruits, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais pas les légumes, c'est terrible. D'habitude, on a des gros stocks de laitage et là, on en a pas. Comment l'expliquez-vous?
Effet probable de la crise, encore plus durement ressenti par les responsables des Restos du Cœur situés en zone rurale. Les Restos du Cœur qui ouvrent leurs portes et la neige qui fait son apparition. Elle est tombée au-dessus de 700 mètres dans le Jura et les Alpes. Image ici du col de Bayard, c'est un peu plus haut. Près de Gap, il a dû être fermé à la circulation pendant quelques heures. Et voilà qui nous amène au sommet de Copenhague. Il commence dans une semaine tout juste. Voici une illustration assez saisissante des modifications d'ores et déjà provoquées par les changements du climat sur la faune et la flore. Au Canada, d'immenses forêts sont décimées par un insecte, un coléoptère. D'après les scientifiques, il prospère grâce aux redoux constatés ces dernières décennies. Envoyé spécial Maryse Burgot, Laurent Desbois. Des forêts de pins à perte de vue, c'est toute la richesse de la Colombie-Britannique dans l'ouest canadien. Mais ces paysages où se mêlent vert et rouge sont en voie de disparition. Souvent les touristes s'émerveillent devant ces couleurs, ils ignorent que tous ces arbres rouges sont morts. Vous voyez, ce pin a été attaqué par les insectes cet été. Ces deux autres à côté sont en train de devenir rouges et même si aujourd'hui ces arbres ont l'air vivants, ils n'ont aucune chance de se régénérer. Ils sont morts. Les spécialistes constatent effarés l'étendue de ce désastre sans précédent dans le monde. 13 millions d'hectares de pins décimés ces 10 dernières années, c'est l'équivalent de la surface de l'Angleterre. Quel est donc ce tueur qui anéantit la forêt canadienne? Dans ce laboratoire, les chercheurs le traquent sous l'écorce des pins. C'est en fait un insecte minuscule, un coléoptère, pas plus gros qu'un grain de riz, mais il est porteur d'un champignon qui asphyxie les pins. Au départ, ils ne sont que trois insectes. Mais si l'arbre leur semble un hôte accueillant, ils rejettent une substance qui va attirer des dizaines et des dizaines d'autres insectes. Ils attaquent alors massivement l'arbre et anéantissent ses défenses très rapidement. Et s'ils pullulent aujourd'hui, c'est entre autres à cause du réchauffement du climat. Jusque dans les années 90, les températures très basses l'hiver dans cette région tuaient une partie de ces insectes. Cela faisait partie d'un cycle naturel, mais aujourd'hui tout a changé. Nous avons besoin de températures inférieures à moins 40 degrés pour vraiment anéantir cette population, ou au moins freiner son extension. Or, nous n'avons pas cela depuis 10 à 15 ans. L'Ouest canadien s'est donc lancé dans une incroyable course contre la montre. Ce patron de scierie emploie 300 salariés. Jour et nuit, ces hommes transforment en planches des millions de troncs attaqués par l'insecte. Il faut les abattre au plus vite. S'ils sèchent, ils perdront toute valeur commerciale. Dans cette région, la moitié des arbres va mourir, et cela dans les deux prochaines années. Il sera donc impossible d'abattre la moitié de la forêt dans ce laps de temps. Et le pire est à venir. Les experts pensaient que l'insecte ne franchirait jamais les montagnes rocheuses qui séparent la Colombie-Britannique de l'Alberta. Ils se sont trompés. Le coléoptère s'attaque maintenant à l'est du Canada. Les changements climatiques également invoqués par certains experts japonais pour expliquer le regain de méduses géantes au large des côtes. On en parlait il y a quelques semaines et nous avons reçu aujourd'hui ces nouvelles images qui permettent de se rendre compte de leurs dimensions, jusqu'à 2 mètres de diamètre et 300 kilos pour les plus grosses. Là-bas, on mange les méduses, on ne sait pas si celles-ci seront inscrites au menu. Et c'est sur ce sujet de l'environnement que nous vous proposons la question de la semaine, comme chaque lundi. Êtes-vous prêt à modifier votre style de vie pour lutter contre les changements climatiques? Oui ou non, à vous de cliquer sur la page 20h de notre site France2.fr. Résultat
jeudi. Il est 20h22, restez avec nous à suivre. La Chine exporte aussi sa gymnastique. Les villes françaises sont de plus en plus nombreuses à installer dans leurs parcs les équipements d'assouplissement ou de musculation en vogue à Pékin. Benoît XVI au micro, comme son prédécesseur, le pape sort un disque, extrait dans un instant. Et puis l'histoire hors du commun de Lionel Messi, 22 ans, il est le grandissime favori pour le Ballon d'Or du football européen, décerné demain, alors que son retard de croissance semblait le condamner. D'abord donc, la gymnastique à la chinoise débarque dans les parcs français. Pour ceux qui connaissent le pays, il est fréquent de voir au petit jour les habitants des grandes villes faire leurs exercices dans les parcs publics. Et depuis quelques années, des équipements gratuits font d'ailleurs partie du paysage car le gouvernement encourage cette pratique au nom de la santé publique. Eh bien cette idée-là s'exporte. Gym de Chine, reportage Pascal Golomer, Éric Delagneau. C'est un square comme il en existe des milliers en Chine, où l'on vient d'abord pour entretenir sa forme. À chaque appareil son utilité, celui-ci est bon pour le cœur, là c'est plutôt pour les étirements musculaires. Quant à ceux qui préfèrent les assouplissements en douceur, ils ont l'embarras du choix. Dans les salles de gym, l'air n'est pas bon. En plus, c'est que pour les adultes. Ici, les enfants, les personnes âgées, tous les milieux se retrouvent ensemble. C'est très bien. Et pourquoi ne pas exporter l'idée? Yan Zhao, un Chinois qui a fait ses études en France, fabrique ses équipements dans son propre atelier à Tianjin, en respectant les normes européennes. Et le rythme des expéditions s'accélère. Il y a de plus en plus des commandes étrangères qui va tomber. Dans un an ou deux ans, je pense qu'il n'y aura pas assez de place pour mettre tous les matériaux, des appareils montés. Il s'est associé à un jeune Français qui avait eu l'idée le premier, il y a 3 ans. Donc ici, ça c'est le garage familial de mes parents. Donc on est installé ici. Adrien Decker a monté sa petite entreprise après avoir fait un stage à Pékin, à la fin de ses études de commerce. Il s'est dit que le fitness à la chinoise, c'était un bon créneau. J'ai mis un coup de cœur pour ces produits parce que je les utilisais moi-même et je me suis dit, pourquoi pas lancer le concept en France? C'est vrai qu'il y a surtout des jeux pour enfants, mais pour les personnes plus âgées, ça manque. Éventuellement, il y a les parcours de santé, mais les parcours de santé, c'est très intensif. Alors que ça s'adresse aux gens qui ne sont pas forcément très sportifs. Depuis, Adrien et Yan Zhao ont vendu leurs équipements à plus de 200 clients, principalement des campings et des mairies, comme ici à Champs-sur-Marne. À 1 200 € l'appareil, leur entreprise ne fait pas encore de bénéfices, mais elle a déjà créé 6 emplois. Et ils comptent bien sur le public pour leur assurer leur réputation. On ne trouve pas comme dans une salle. Et puis voilà, puis bon, l'endroit est quand même joli, c'est agréable. Et c'est gratuit. Leur rêve de voir les jardins publics français prendre un petit air de square chinois est bien en train de se réaliser. Jean-Paul II avait chanté pour un disque il y a quelques années. Eh bien, c'est au tour de Benoît XVI de se lancer avec la sortie mondiale aujourd'hui de l'album Alma Mater à Rome. Philippe Vissarias, Gian Claudio Caldera. Sa voix, enregistrée lors de cérémonies officielles et sélectionnée par Radio Vatican, a servi de base pour ce disque. À l'arrivée, Alma Mater, la mère nourricière. 8 compositions originales, allant des chants grégoriens aux musiques traditionnelles. Et en fond sonore, la voix du pape. Le tout sous la baguette de Monseigneur Collino, chef de chœur du Vatican, depuis 50 ans. Je vous la ferai entendre. Dans son petit appartement, Monseigneur Collino conserve parmi ses trésors la voix de Benoît XVI. Regina Celi, l'étare, les papes. Alléluia. Les papes, comme ils chantent Regina Celi, arrivez-le voir. Il semble pas un vieillard. Non, la voix fraîche comme un garçon. On devine des pontifices. Il y a 10 ans, Jean-Paul II s'était également lancé dans la chanson. Mais avec clip vidéo et rythme moderne. Rien de tout cela aujourd'hui avec Benoît XVI, qui ne veut pas passer pour une star de la pop. Radio Vatican veut éviter de faire du business avec la voix et avec l'image du pape.
D'ailleurs, ce matin, le CD du pape est présenté sans ostentation dans les librairies de la place Saint-Pierre. Et pour montrer sa bonne foi, le Vatican a décidé de reverser une partie des bénéfices de la vente de ce CD à des institutions qui viennent en aide aux enfants. Une consécration annoncée maintenant à une belle histoire, celle de Lionel Messi, 22 ans, grand favori pour le Ballon d'Or, décerné demain. Signe particulier, Messi est un miraculé du football. Son retard de croissance semblait le condamner, mais le FC Barcelone a misé sur lui très tôt, au point de lui payer ses traitements. Manuel Tissier. Même au ralenti, la vitesse de Lionel Messi crève l'écran. Le prodige de Barcelone est presque inarrêtable et son histoire tient du miracle. À 22 ans, Messi part favori pour succéder à Cristiano Ronaldo au palmarès du Ballon d'Or. Hier, ce petit bonhomme d'1m69 a encore tout donné pour son club, car il lui doit sa fortune, mais aussi sa santé. Lionel Messi est devenu une superstar mondiale. Les sponsors se l'arrachent, pas seulement pour ses talents de footballeur. Sa vie est un conte de fées qui fait le bonheur des annonceurs. Mon nom est Lionel Messi, il est à Vitoria. La maladie de Lionel Messi l'aurait condamné à ne mesurer qu'1m50 à l'âge adulte. En Argentine, ses parents n'avaient pas les moyens de payer le traitement. Mais quand le FC Barcelone voit jouer ce petit génie, le club emmène toute la famille en Catalogne et règle les frais médicaux. Je me sens argentin, mais c'est vrai que je dois beaucoup à la Catalogne et au Barça qui m'ont accueilli. Le gamin malade de Rosario est aujourd'hui le footballeur le plus cher du monde. Il vient de signer jusqu'en 2016 et vaut 250 millions d'euros. Mais entre Barcelone et Messi, c'est plus qu'une histoire d'argent. Encore une image de football. Rennes concède le nul à Lyon, concède le nul face à Rennes, pardon, un partout. But de Gian pour Rennes. Égalisation de l'OL grâce à Lisandro sur ce coup franc. Lyon est deuxième à 2 points de Bordeaux au classement. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Les centres de vaccination contre la grippe A vont être ouverts le dimanche et les horaires seront encore élargis. Il s'agit de répondre au mécontentement des familles. Nouvelle phase aujourd'hui, après les lycéens et les collégiens, la vaccination des écoliers a commencé de la maternelle au CM2. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeschko qui nous annonce de la pluie, de la neige et du vent. Bon courage. 20h35, cold case, affaires classées. Ne manquez pas, 22h10, complément d'enquête avec Benoît Duquesne. Au sommaire, les nouveaux chasseurs de Gaspi. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France 2.fr.